Salut les chouchous, je ne suis pas en serveur public ce soir exceptionnellement pour ce calendrier de l'Avent, mais sur le serveur privé du babysitting avec des petits chouchous avec qui j'étais en train de papoter. Et en fait, il se trouve qu'ils n'étaient pas forcément là à l'update de Noël l'année dernière. Donc, ça me fait super plaisir en fait de leur offrir à eux. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, cette vidéo est celle du jour 6 et le jour 6, nous avions eu 300 $, enfin j'avais en tout cas eu 300 $ puisque c'était aléatoire. Derrière les portes du calendrier de l'Avent, on savait pas toujours ce qu'on avait. En tout cas, moi j'avais eu 300 $ et pas un pet ou pas un jouet en tout cas. Donc il va falloir que je choisisse autre chose à offrir à ces chouchous. Ça me fait super plaisir et j'espère que ça leur ira aussi. Alors, elle propose un petit cache-cache. Eh bien, c'est une super bonne idée. On va dire que le premier qui me trouve aura... Bon, je sais pas, je vais réfléchir. OK? Alors, je leur donne les règles du cache-cache. Je me cache. Le premier qui me trouve a un cadeau. Je vais offrir un golden gift. Je vous montrerai pendant que je serai cachée. Il a un cadeau et deux autres choses. Le deuxième, un cadeau et une autre chose. Et le troisième, seulement un cadeau. J'espère que ça leur va. On était en train de se montrer nos pets. Je suis en train d'essayer de faire un glyptodon méga néon parce que, alors déjà, je trouve que le néon, il est super beau. Il est vraiment marrant. Enfin, je sais pas, c'est super original. C'est pas aux couleurs de Noël du tout, hein. Mais alors, le méga, il y a une vidéo de Adopt Me sur le glyptodon méga néon avec toutes ses belles couleurs. Et c'était super drôle. Et voilà, et Brita qui est en train de se faire son petit paresseux méga néon aussi. Et Ariane nous a montré tout à l'heure, je ne sais plus ce qu'elle avait sorti comme pet, c'était super beau aussi. Alors, il est convenu que je reste sur la map et que je n'aille pas dans les arbres. Voilà, je glitche pas, je ne vais pas dans les arbres, je reste sur la map. Alors, je vais pour l'instant faire un petit tour comme ça. Je vais me mettre par ici pour l'instant. Je vais ranger le glyptoton, même si je l'aime beaucoup. Et je vais m'habiller. Non, attendez. Est-ce que je me changerai pas? Alors, je vais porter cette tenue-là. Et puis, je vais attraper la tombe pour bien me cacher. Ils le savent normalement, hein, que c'est ma petite tricherie. Alors, où est-ce qu'elle est? On remonte. Alors, je vais attraper la tombe pour pouvoir bien me cacher. Alors là, on me voit quasiment pas. Bon, je vais effectivement laisser des traces là si je fais comme ça. Il va falloir que je... Moi, ça pourrait être un indice pour eux. J'espère qu'ils ne me voient pas. Et je voudrais aller me cacher. J'ai vu tout à l'heure en jouant qu'on pouvait aller se cacher par là-bas derrière. Je me dis que si je me mets même là, ils me verront même pas. Parce que normalement, il n'y a pas mon nom au-dessus de moi. Vous croyez que là, ils me voient? Regardez, si je me mets comme ça, je dézoome. Je suis invisible. Est-ce que c'est triché ça? Est-ce que c'est beaucoup triché, on va dire? Attendez, où est-ce que je pourrais aller? Ça serait drôle que je sois vraiment, vraiment visible en fait. Vraiment en plein milieu, genre. Attendez, je vais me mettre genre par là. Je sais pas. Là, devant le cadeau. On ne voit pas. Ça marrant, moi c'est marrant ou pas? Je vais leur dire ça y est, je vais vérifier quand même que mon nom n'est pas visible. Voilà, là c'est bon, puisqu'on voit ici que on voit pas mon nom parce que c'est ça qui m'avait fait. Je sais pas si vous vous rappelez le cache-cache. Oh, il y a quelqu'un qui est pas loin. Alors je retiens mon souffle en fait, même si je suis chez moi. Ah, elle est partie s'envoler. Vraiment, je me demande si on me voit. Oh oh! Oups! Je regarde dans les airs, il n'y a personne. Ça va être trop difficile peut-être, je ne sais pas. On va attendre un petit peu, si vraiment ils ne me trouvent pas, si vraiment ils ne me trouvent pas, je sortirai de la tombe. J'espère qu'il n'y a personne près de moi parce qu'ils peuvent voir que j'ai parlé, que je parle quoi. Je ne sais pas où ils sont. Je sais pas du tout. Alors, je leur donne un petit indice. J'ai froid, très froid. Je vérifie à chaque fois qu'ils sont pas dans le coin là, qu'ils sont pas en visuel. Voilà, ils vont revenir vers ici normalement. Alors, pardon, je fais que bouger le truc. Normalement, voilà, je vois un grappin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer derrière la porte là?
Non, non, mais je suis pas rentrée. Oh, elle me voit pas. Je vais me décaler un petit peu pour voir, pour essayer qu'elle me voie. Elle m'a pas vue, hein. Je vais un petit peu. Oh. Est-ce qu'il m'a trouvé? Je crois qu'il m'a trouvé. Ah, ah, il m'a trouvé, bravo! Allez, je vais ressortir la tombe pour pouvoir réapparaître. Bravo! Alors franchement, félicitations parce que c'était super dur. Il est trop fort, ce Britak. Ah, il doit être super content hein, parce que franchement... Allez, on va faire un petit trade du coup puisque je vais lui mettre plusieurs choses. Donc je vais lui offrir un cadeau, ça s'appelle Golden Gift. Et à l'intérieur, il y a soit un sapin, un Christmas egg, donc un œuf sapin, soit un des jouets, soit la voiture du Père Noël. Ce genre de choses. Je vais lui donner aussi... Mais non, il me met... Ok. Attends. Je vais te donner autre chose. Je ne sais plus si ça... Alors, j'arrivais plus à savoir si le cookie frisbee, il était dedans. J'ai dit que je donnais deux autres choses. Un de mes items préférés. J'aurais dû la sortir pendant la nuit. C'est la bougie. Voilà. Et ça me fait super plaisir, Britak. Oui, on dirait que c'est... on dirait que je me fais avoir. Ben oui, il n'y a rien en face. Merci, Adoptemi, hein. Mais non, c'est un cadeau, je lui offre. Voilà, ça me fait bien plaisir. Voilà, c'est pour toi, Britak. Il est super content. Mais ouais, ça me fait tellement plaisir d'offrir des choses aux gens qui sont contents. Alors, ce skin de l'ours, je ne sais pas pourquoi mon corps s'est mis comme ça. Normalement, je suis censée être... plus volumineuse, je crois, je sais plus. Allez, à ton tour. Enfin, je l'avais fait pour une vidéo lors de l'update de l'année dernière. Il faut que j'essaie de vous retrouver cette vidéo parce que c'était vraiment sympa. Alors, je vais lui mettre directement la bougie. Voilà, parce que vraiment, c'est super chouette la bougie. Et puis, le Golden Gift. Voilà pour toi. Ah, j'ai envie de lui donner autre chose quand même. Tiens. C'est pas un cadeau de Noël, donc du coup, ça compte pas. J'ai dit que je donnais que deux trucs en plus. Et voilà pour toi, Margot. Merci. Elle me dit, mais c'est moi qui vous remercie. Vous êtes trop chouettes, les chouchous. Hop, commerce avec Aria, qui est québécoise. Coucou, Aria. Franchement, ça me fait tellement plaisir d'avoir des chouchous de un peu partout dans le monde. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de d'où vous venez, parce que ben, j'aime beaucoup savoir voilà, d'où vous venez, qui vous êtes. Alors, pas les détails ultra privés, bien sûr. Ne me dites rien de sensible. Et je te mets un nounours, parce que les nounours, c'est trop mignon. Alors ça, c'est pas un super... c'est pas un cadeau de ouf, hein. Ça se trouve dans le magasin des cadeaux. Mais ça me fait plaisir, parce que les nounours, c'est trop chouette. Voilà, on a toujours besoin d'un petit nounours. Un Golden Gift. Alors, j'espère que tu auras bien, je sais pas, l'item que tu veux. Soit le traîneau du Père Noël. Parce qu'on avait pas mal de chances de l'avoir dans ce Golden Gift. Je sais pas, est-ce que ça vous dit que j'en ouvre un, tiens? Alors, je leur annonce, je vais en ouvrir un. Ah, ils ouvrent leur cadeau. Alors voilà comment ça se présente, le Golden Gift, il est beau, hein? Et qu'est-ce que je vais avoir? J'aurais dû l'ouvrir avant. Oh, un Christmas egg! Moi, je suis trop contente, c'est génial! Oui! Ah, c'est super, je suis super contente! Il y a rien aussi. Oh, on a tous des Christmas eggs! Je crois que le pourcentage d'en avoir, le pourcentage de chance d'en avoir était vraiment super élevé. Et voilà. Je me mets. Oh, mais on a tous eu des Christmas eggs. Ah, ben voilà, c'est génial. On avait quand même des chances d'avoir ce véhicule qui est superbe et surtout enfin, qui est superbe en particulier parce qu'il flotte. Regardez. Voilà, il vole au-dessus des airs. Et quand il y a de l'eau, voilà, ou le Ice Queen Sled, je crois qu'il s'appelle. Je ne sais pas si on peut être comme ça. Non, mince. Ah! Mince! Voilà, donc ben, quand c'est la rivière, eh bien, ça flotte au-dessus de l'eau. Au lieu de couler, parce que d'habitude, voilà, les véhicules, ils coulent, hein, vous le savez. Eh bien, ce n'est pas celui-là. Celui-là, il flotte. Voilà, il est hyper beau. Dans la nuit. Oh, il fait sa fumée, là. Donc, ça illumine la nuit. Et voilà, moi, je l'adore. Il est magnifique. Coucou le Frost.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est juste des petites vidéos que je fais comme ça tous les jours, on essaie de s'amuser, je joue avec vous. Là, je n'étais pas en serveur public, je sais que ça va vous décevoir, je suis désolée, désolée, vraiment, j'avais envie de, voilà, de continuer à jouer un petit peu avec eux. J'étais en train de discuter, j'espère que vous m'en voulez pas. Demain, on se retrouve en jeu, ça c'est sûr, sur Adopt Me et peut-être aussi sur d'autres jeux. Je vous attends, je serai en serveur public cette fois-ci, c'est promis, c'était exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à liker, à commenter en mettant votre pseudo. Vous avez vu dans la vidéo d'hier que j'ai distribué des Robux à certaines personnes qui avaient commenté sous mes vidéos. Donc, commentez avec le pseudo et mettez-vous dans le groupe Le Gang des Chouchous sur Roblox parce que sinon, je ne peux pas vous donner les Robux. Les chouchous, je vous dis... À bientôt, salut!